les amis, ça va bien? Hé, hey, regardons sa nouvelle coupe de cheveux! Oh, mais mon Dieu, je ne la reconnaissais pas! Il y a comme une coupe d'Indien, je trouve, hein? Trouvez-vous, il y a comme une coupe d'Indien! Les amis, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mario! Marionnette! Mon Dieu, vous êtes bien ricaneurs aujourd'hui, hein? J'ai des petits amis qui rigolent ce matin! Vous êtes de bonne humeur, mais malgré la pluie, hein? Pas de problème! Dit Mathilde la truie. Ne bouge pas! Je vais aller te chercher un petit quelque chose. Il ne faut jamais s'endormir le ventre creux. Cette semaine à Scolaire le Monde, on est au Cross Country au Camping Chatham. Êtes-vous stressé à l'idée de faire le cross country? Non, pas full. Ben, un petit peu stressé, mais pas tant que ça. Bon. Est-ce que tu penses que tu vas gagner une coupe? Quand tu vas rapporter? Je pense pas, mais peut-être, c'est jamais. C'est le hasard. Toi? Ben, je suis full, ça se peut. On sait jamais. Ok. D'après vous, vous allez finir quelle position? Troisième. Alors, Audrey, qui a gagné le premier jeu? Première partie, ça a été gagné par Patricia Dubé. Alors, une gagnante pour la première partie. Elle se mérite 200$ et elle s'est procurée sa carte au dépanneur Terminus. Je rappelle aux gagnants de la soirée que vous devez absolument avoir votre carte de jeu en main originale. Aucune photocopie n'est acceptée quand vous venez réclamer votre prix. Et vous venez le réclamer ici même à la TVC d'Argenteuil à partir de demain 13h au 324A rue Béthanie à la Chute, juste au-dessus du restaurant Vienneta. Le prochain jeu, c'est deux lignes pleines. Donc, le mot le dit, deux lignes pleines. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle ligne. Quand on faisait ce jeu-là, dans le passé, on pouvait avoir des diagonales aussi. Donc, une diagonale aussi peut fonctionner, en autant que vous ayez deux lignes pleines dans votre jeu. Elles n'ont pas besoin d'être collées non plus. C'est deux lignes pleines, c'est ça qui est important, puis c'est pour 400$. Alors, on commence tout de suite. Le N38. En tant que citoyenne, comment vous vous sentez chez vous? Bien, c'est sûr qu'il n'a pas magasiné. Hein? Lui, il est allé direct avec sa compagnie, puis il n'a pas pris le temps de voir avec les autres pour voir quelle option qu'il avait ou quel prix qu'on y faisait. Fait qu'il est allé directement... Quelques concerts, il y a environ 8 ans de ça. Et puis là, j'en ai fait quelques-uns. Après ça, on s'est perdu de vue. Je suis allé j'ai fait des études, tout ça, puis il m'a rappelé pour ce projet-là. Donc, Ça fait quand même 8 ans que vous connaissez plus ou moins là-dedans. Ben, moi, ça fait 8 ans que je connais Baron. J'ai rencontré Christian, ça fait, dans le fond, depuis le début du projet, depuis à peu près 3 ans, 4 ans. Puis eux autres, ça fait 14 ans à peu près qu'ils se connaissent. Salut! Bonjour, monsieur! Ça va bien? Ça va? Yes! Ben oui. On s'en vient vous voir! Ben oui, salut. Plaisir, salut! Salut, salut! Ça va bien? Ça va! Ben oui! Bonjour! Bonjour, enchanté! Ben oui, salut! À l'intérieur des activités scolaires, il y avait un corps de clairon. Fait que j'ai commencé à apprendre, mais au début, il y avait du clairon puis il y avait des trompettes. Je jouais de la trompette. De la grippe AH1N1. Ouais. Est-ce que vous allez vous faire vacciner pour cette grippe-là, vous? Oui, je n'ai pas dans mon médecin. Le médecin dit qu'il faut que tu sois les deux.
Comme ça, il y avait une mais les personnes âgées. Oui. Pas l'intention de le faire, ni pour la grippe. Plus ou moins. Je pense qu'on va passer au travers. C'est sûr qu'avec la publicité qu'ils font, ça inquiète un petit peu. On entend des choses qui n'ont pas d'allure. Il y a des gens qui se préparent sérieusement et il faut se préparer. Mon idée est faite, fait que je me nourris bien, je mange bien, je prends des vitamines. Puis... C'est ça l'essentiel, mon dans le fond. Mon anticorps, là, elle doit être bonne là, parce que je suis rendu à 73 ans. Même qu'au niveau des maires de la MRC, c'est un enjeu important de voir à la sauvegarde de l'édifice. Et c'est dans ce contexte-là que tu sais, petit à petit, la théorie des petits pas, c'est comme ça qu'on en est venu à réaliser ce grand projet-là. Ce soir, c'est vraiment la vraie ouverture. Et merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors, je vais parler ce soir au nom des deux Daniels. Chez nous, on est deux Daniels, mais je ne peux jamais parler au nom de ma femme. Mais ce soir, Daniel Moisin, la représentante Moisin, la représentante du bureau du député, me laisse parler en son nom aussi parce qu'on pense la même chose de ce beau projet-là. Et moi, je dois dire, tantôt, je regardais, et Daniel est au courant aussi de tous ces projets-là. Je suis passé derrière la polyvalente avec le centre multisport, la nouvelle piscine cette année. On a beau, comme conseil municipal, comme maire, mettre plein de beaux équipements chez nous, de mettre des fleurs. Tac, tac, écœurant. Belle ouverture, en tout cas. Bravo à tout le monde. Vous êtes tous excellents. C'était génial. Vraiment un beau travail. Ça s'est développé. Je suis vraiment ici avant que la salle ait été construite. C'est vraiment magnifique. Sérieusement, je suis vraiment impressionné. C'est un gros step et je pense que ça va développer plein de beaux projets. Bonjour, vous êtes à l'émission Politiquement Vôtre, organisée par la télévision communautaire d'Argenteuil. Je suis Mario Laframboise, député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel à Ottawa. Votre représentant, juste peut-être pour la première fois, se situer un peu les dimensions de la circonscription d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. On débute, c'est le long du lac des Deux-Montagnes, en longeant la rivière des Outaouais, entre Saint-Eustache et Gatineau. Donc, ce qui commence par Pointe-Calumet, Oka, on a c'est évidemment Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Placide, Saint-André-d'Argenteuil, évidemment toute la grande région, la belle grande région d'Argenteuil avec la chute Brandsburg-Chatham. Et... Accroître ensemble le développement et améliorer notre région n'est pas terminé. Que ce soit pour améliorer les services à notre hôpital, agrandir nos écoles, ajouter plus de places en garderie, refaire nos cours d'école pour nos jeunes, finir l'autoroute 50 et voir à l'amélioration de nos routes. Être là-dessus, entre autres, tous les membres de la Chambre de commerce ou de la SDC, des choses comme ça, pour donner au public qui rentre sur le système tout de suite la page avec l'information de ce qui est disponible dans le coin. D'accord. Merci. C'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Ce soir, c'est une soirée d'Internet, mais je ne viens pas dans le même sens que M. Pettel, vous parlez d'Internet. Mais je fais une petite parenthèse, M. Meillet, parce qu'il y a des gens qui disent que s'exprimer au micro, c'est chialer. J'aimerais dire à ces gens-là que s'exprimer, c'est la loi fondamentale de la démocratie. Je vais juste vous fermer la parenthèse.
En 2003, c'est pas moi qui ai dit ça. Non, pas du tout, M. Meillier. C'est des gens c'est qui pensent que quand on vient parler au micro, c'est pour chialer, mais des fois, ça peut être très positif. Oui, ouais, mais on a eu des chialeux, par contre. Oui, c'est beau. Maintenant, moi, je suis ici parce que la Ville de la Chute a investi 5 500 $ en 2003 et 8 000 $ en 2004, qui fait 13 500 pour la construction d'un site Web. Félicitations, c'est merveilleux. Maintenant, je suis allée. La Ville de la Chute fait un échange avec la Ville de Cluses depuis des années, un échange culturel qui un étudiant de Cluses vient à la Chute et tout ça. Moi, je pense qu'il aurait été intéressant que la Ville de la Chute ait mis sur son site Internet de souhaiter la bienvenue à cette jeune fille-là qui est venue ici. Ça aurait été agréable que la jeune fille peut-être fasse une vidéo, se présenter, puis que la Chute lui souhaite la bienvenue. Et puis les parents de la jeune fille auraient été aussi à l'aise de voir leur jeune fille sur Internet pour dire que la Chute l'accueille bien. Ça, c'est aussi que je me sers de l'Internet pour ça. Ça aurait été une bonne idée. Maintenant, les chiffres que je vous ai mis ce soir, M. Maillet, je l'ai pris sur le site Internet de la Ville de la Chute, qui est les activités d'investissement des projets en cours. Je l'ai pris sur le site Internet, mais il date de 2004. Alors, à le moment actuel où on se parle, là, il y a les états financiers 2004 au site Internet, et puis il y a les états, les prévisions du budgétaire. La question s'en vient. Mais il faut qu'elle s'en vienne, parce que je vais vous donner la réponse avant que vous ayez fini. Oui, attendez, laissez-moi parler. Alors, les prévisions budgétaires sont de 2006. Ma question, à quoi ça sert, M. Maillet, d'investir autant d'argent et puis de ne pas mettre des rapports adéquats sur le site Internet? Mais quand vous dites autant d'argent, d'abord, ce n'est pas beaucoup d'argent comparativement à beaucoup de municipalités. Et si vous me demandez mon opinion sur le site Internet de la Ville de la Chute, les membres du conseil le savent, il n'est pas à mon goût. Non, c'est vrai. À mon goût. Tant qu'à avoir un site Internet, aussi bien d'en avoir un bon. Oui. Et un qui est suivi. Juste faire le suivi d'un site Internet, Mme Rousseff, vous savez ce que ça fait. Vous savez, on a un tableau indicateur qui indique les activités et il y a une personne ici, c'est pas évident, c'est beaucoup de temps. Vous avez vu que la Ville de la Chute a ouvert trois postes, un poste à la trésorerie, un poste comme directeur des loisirs et un poste en communication. Oui. Et justement, la raison de ce poste en communication-là, c'est pour faire plus de communication avec nos employés, avec nos citoyens et remettre à jour le site Web. Oui, parce que, M. Maillet, quand on ouvre le site Internet de la Ville de la Chute, on arrive directement dans les loisirs. On devrait arriver directement sur la page d'accueil. D'ailleurs, si vous allez voir la ville de Paincourt sont un exemple à suivre pour la Ville de la Chute pour savoir quoi mettre sur leur site Internet qui pourrait être intéressant. Moi, aujourd'hui, j'ose vous déposer, M. Maillet. J'ose vous déposer la Ville de Paincourt qui ont